Une belle journée qui commence bien. Bonjour Monsieur Parato, comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Petami, je vais très bien et vous ? De même, je vais très bien et en bonne santé pour cette journée merveilleuse. Dites-moi mon cher médecin, vous allez faire quand votre directeur code d'Heuristic Mind ? Ah ça, laissez-moi réfléchir sur ça.
Saint Hugues, de son vrai nom Hugues de Grenoble ou Hugues de Châteauneuf, ses origines remontent en 1953 à Châteauneuf-sur-Isère, où il est fils du seigneur Odilon et il est neveu de Hugues de Bonnevaux. Hugues manifesta dès son plus jeune âge une piété extraordinaire et un goût certain pour la théologie. Alors qu'il était encore laïque, il fut fait chanoine de Valence. Sa piété était telle qu'on disait de lui qu'il n'aurait aperçu qu'une seule femme dans sa vie. Hugues contribua aussi à la fondation de l'ordre des Chartreux. En 1984, il reçut Saint Bruno, qui avait peut-être été autrefois son propre maître, avec 6 de ses compagnons, après les avoir vus en rêve sous une bannière de 7 étoiles. Hugues les installa tous les 7 dans un endroit enneigé et rocailleux des Alpes appelé la Chartreuse. Ils y fondèrent un monastère consacré leur vie à la prière et à l'étude, recevant souvent la visite de Hugues, dont on dit qu'il adopta une grande partie de leur mode de vie. En 1930, âgé de 70 ans, il trouva la force d'aller à la rencontre du pape Innocent II, qui fuyait l'Italie, et de l'accompagner jusqu'au Puy, où devait se réunir un important concile visant à faire rencontrer Innocent II par les souvenirs d'Europe et à prononcer l'excommunication, l'usurpateur Anaclet II. Il mourut le 1er avril 1132. Il est représenté en habit épiscopaux par-dessus sa cucule blanche. Hugues de Grenoble peut être représenté en habit de châtreux recevant pruneaux, parfois avec des étoiles, emblème des châtreux. Il lui arrive aussi de bénir des oies qui se transforment en tortues. D'accord, je comprends mieux pourquoi personne n'en parle de la Saint-Hugues.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais jouer à Titanfall 1, prenez du nom. Ce n'est pas parce que Astora a fait une vidéo là-dessus que ça m'a inspiré, c'est juste que je voulais redécouvrir ce jeu, même si je l'ai acheté sur Instant Gaming, mais bon, passons, on va lancer le jeu. Ah, déjà on commence à se faire accueillir avec un entraînement, c'est déjà pas mal, parce que bon, moi je suis débutant sur ce jeu, ce serait vraiment dommage que qu'il y ait des problèmes. Bienvenue pilote, pour étalonner l'affichage... Mon prénom c'est Hugo. ...initialisation du simulateur. Vous êtes libre de vous déplacer dans la simulation. Ah d'accord, alors attends. Excusez-moi, mais si j'aime pas ces touches-là. Pour continuer, traverser le tunnel en marchant. Oui, bah écoute, si tu faisais aussi des touches qui étaient plus simples que ça. Sauter en direction d'un rebord. Pour vous. Allez hop, je speedrun le truc. Pourquoi il n'y a pas des speedruns pour ça quand même? Essayez de sauter directement d'un mur à l'autre. Bravo. Genre il m'a dit bravo comme si j'étais son chien quoi. Condition de réussite remplie. Putain j'ai fait du parcours hein. Les aérokits renforcent vos capacités de saut naturel en vous permettant de sauter une fois de plus en plein vol. Pour couvrir un maximum de distance, attendez plus longtemps avant votre deuxième saut. J'aime bien, il m'a expliqué toute sa vie, mais trop rapide. Trop rapide. Il est parfois plus rapide d'attaquer de front, mais vous prenez... Allez là, dépêche-toi. Détruisez toutes les cibles du stand de tir. C'est triste, on doit tuer des robots. Bon, après tout, j'aurais une bonne image comme ça à dire que je tue les IA. Lancez une grenade à travers chaque fenêtre. J'ai essayé, hein. Arrivée d'un titan ennemi imminente. Quoi ? Passez à votre arme anti-titan. Votre arme anti-titan ? Les combats rapportent des crédits aux pilotes qui leur servent à commander le largage de leur titan. Et acheter des DLC, des packs d'extension, des passes de combat. Rapprochez-vous de votre titan pour... Putain, il est stylé, il est bleu. Moi, le spawn kill, c'est pas trop mon genre, hein. Et est-ce que je peux l'écraser ? Ouais. Félicitations. Scénario. Mais je voulais l'attaquer. Vas-y, le mec il détruit l'ambiance là. Bien joué. Ouais, mais j'ai pas envie de l'embêter. Débarquez de votre titan. Bon, je reviens. À pied. Vous pouvez contrôler l'IA de votre titan. Mais je veux récupérer mon robot là. Bon, sinon, il y en a combien juste pour savoir. Enfin, un vrai duel. Oui, bon, s'il va aussi dans la mauvaise direction. La barre de vie de votre titan est affichée en haut de votre ATH. Si votre barre de vie tombe, elle ne se régénère pas. Si votre barre de vie tombe à zéro, votre titan explose après un bref délai. Ah, non, ils sont encore en vie. Ah putain, mais je m'attendais pas à lui là-bas. Votre simulation de combat est terminée. Oh putain, je voulais les défoncer. Les pilotes, vous descendez là. Vous avez 10 minutes pour récupérer votre matos et quitter mon vaisseau. Bienvenue à la frontière. Ah ça, il est quand même poli, hein. Ah, parfait, je vais pouvoir jouer à Titanfall. Ça va être trop bien. Ok, alors attends, je reviens sur le menu, mais juste pour vous dire, Bibi, grosse merde, va. Hey, tête folle, y'a pas trop de monde, les serveurs ils marchent pas et tout. Nique ta mère, y'en a une personne qui est rentrée. Au début je voulais faire cette vidéo juste pour te dire tranquillement, oh ok, je vais tester, je vais voir si c'est drôle ou pas, etc. Merde, là ça a tout détruit ça, le fait que le mec il a rejoint, ça t'a niqué ta théorie de merde. Et j'ai même pas trouvé encore un mode de solo, etc. Mais sache qu'une seule chose, il y a vraiment des gens qui sont encore en ligne. Voilà, merci pour ce gameplay du coup de jeu.
Gamer, c'est mon truc, mec. C'est plaisant, on bosse à l'intérieur. Et on n'a jamais le temps pour une douche. Parce qu'en fin de compte, tant qu'il reste encore deux joueurs en vie dans la thème, l'un va vouloir refroidir l'autre. Bon, problème. Ouais, j'arrive. Je termine ma game. Là, c'est un match de qualification. Je vais être franc avec toi, mec. Mes parents, ils veulent me dégager. Aucune chance que je meure avec ce jeu. Des relations ? Écoute, mec, les relations, c'est bon pour les types qui veulent être le mec de Drive, là, je sais plus son nom. Les professionnels ont une éthique. Être sale. Être un expert. Et être prêt à lâcher un GG en premier.
au début sur ma chaîne, je voulais faire un let's play, bah vous verrez, le let's play Castle Crasher sera là, avec cette personne. Ouais. Cancel. Et prêter une manette ou une showcoin à un ami pour jouer à plusieurs, à tout, jusqu'à 3 joueurs peut vous rejoindre. Hey les gars, ça vous dit d'y jouer à ce jeu? Ouais, je pense que vous êtes occupés, pas de soucis, passez une bonne soirée. Pas de soucis.
Bonne année à tous, sauf à Bibi, car je vais pas vous mentir, il m'a passé le pire cadeau d'anniversaire pour cette année, alors qu'il a raté une année pour faire ça. Allez, te pardonner, je vais dire 5 mots en 5 lettres qui ont un lien avec toi. Bonne année, vidéo, moula, et le plus important, ASIO. Thank you.
Tu ne sais pas ? Si, je le sais. C'est juste que c'est très long, même si ça doit durer 5 ans. Je serai capable de la sortir à une date précise. Tu n'as pas peur que 5 ans, ça soit trop rouillé ? 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 Vous allez bien, monsieur Bethany ? Bon, nique sa mère, OURP. Ça n'existe plus et ne reviendra pas. Allez, je quitte le plateau, j'en ai marre. Mais, reviens ! Mon personnage, hé ! Hé, t'as un rôle important, hein ? C'est pas terminé, hein, toute cette histoire, hein ? Hé, l'acronyme vrai de OGM, ça veut dire, objectivement, t'es une grosse merde ! D'où il a pris à voler ?